Bonjour Pocoyo, je peux savoir ce que tu fais? Pas de problème, j'attends. Oui! Oh, tu as fait un dessin. Je te félicite, il est très joli. Dites-moi les enfants, vous pouvez nous dire le nom de cet animal? C'est une baleine. Laisse-moi deviner. Ah, c'est un dessin pour une baleine. Une minute, ce ne serait pas l'anniversaire de la baleine aujourd'hui? Et tu es invité à sa fête d'anniversaire? Ellie, tu vas apporter un cadeau pour la baleine quand tu iras à la fête? Un ballon, très bonne idée. Pas facile pour attacher la ficelle. Bien joué, Pocoyo. Bravo. Je me demande si notre amie baleine réussira à deviner ce que c'est. Allons voir quelle surprise Pato prépare pour la baleine. Il est magnifique ce gâteau. Bravo Pato. Et si vous voulez mon avis, la baleine va adorer ses cadeaux. Vous l'avez gâté. Baleine! Oh, c'est terrible. On aurait dit le bruit d'un ballon qui éclate. Oh zut, ce n'est pas de chance. Heureusement, on a toujours le dessin de Pocoyo et le gâteau de Pato. Comme il est joli, ce poisson. Pato, je crois que tu as perdu quelque chose. Ton gâteau. Mon petit doigt me dit que c'est le joli poisson qu'il a avalé tout à l'heure. Heureusement, vous avez toujours le merveilleux dessin de Pocoyo. Oh, mais c'est notre amie baleine. On a fait un long chemin pour venir te voir, tu sais. Et nos amis ont travaillé dur pour te préparer des surprises. Ellie avait l'intention de t'offrir un adorable petit ballon. Malheureusement, il a éclaté pendant le trajet. Ce n'est pas de chance. Pato,
gâteau, lui, t'avait préparé un délicieux gâteau au chocolat et au citron. Malheureusement, un petit poisson l'a mangé alors qu'il était en train de te l'apporter. Heureusement, il reste un cadeau que l'on va pouvoir te donner. Pocoyo t'a fait un très beau dessin et je suis sûr que tu vas l'adorer. Oh non! L'eau a effacé la peinture. Décidément, ce n'est pas notre jour de chance. Oh, quel dommage! Plus de ballons, plus de gâteaux et plus de dessins. Regardez, la baleine est heureuse quand même. Ce n'est pas grave si elle n'a pas son ballon, ni son gâteau, ni son dessin. Vous avez compris, les enfants. Expliquez à Pocoyo, à Pato et à Ellie pourquoi la baleine est si contente. Quel est le cadeau qui lui fait le plus plaisir? Que ses amis soient venus pour elle. Exactement. Ce qui compte pour la baleine, c'est que Pocoyo, Pato et Ellie soient là, car le plus beau cadeau de la Terre, c'est l'amitié. Alors un grand bravo pour Pocoyo et ses amis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.